Allez, ça y est, il est enfin là, le mode précision farming pour Farming Simulator 19 vient juste d'arriver, là, à l'instant. Alors, je vais vous faire une présentation rapide, mais quand même détaillée du mode. Vous allez voir que c'est extrêmement simple, ça ajoute, donc comme son nom l'indique, de l'agriculture de précision. Alors, il va falloir faire de l'analyse de sol, rectifier les pH, apporter de l'azote, et ça de manière précise. C'est-à-dire qu'on ne va plus venir traiter un champ dans sa totalité, mais on va venir traiter un champ par endroit. Pour le traiter par endroit, il va d'abord falloir analyser. On en avait déjà parlé un petit peu dans des vidéos et sur simulagri.fr. On a un outil d'analyse qui vient. Alors, le mode fait 20 mégas. Dans ce mode, vous avez le Gator qui est intégré dedans. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser puisque l'outil Scout de Isaria, ici, s'attelle sur un 3 points. Donc, le Gator, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il est rapide et pratique. Et du coup, il y a le petit module GPS qui se met dessus. On va monter dedans. Et je vais vous montrer un peu comment ça marche. Regardez ma carte. J'ai déjà commencé à analyser. Quand on appuie sur la touche 9, maintenant, pour avoir la carte, on a directement, en fonction du matériel, si je suis dans un épandeur de chaux ou de lisier, ou dans mon petit Gator, j'ai une carte différente qui va apparaître. Là, je suis avec l'outil d'analyse, donc la carte qui apparaît, c'est la carte type de sol. Donc, on va aller faire des analyses par endroit. Vous avez vu que j'ai déjà commencé à en faire quelques-unes. Ces analyses, vous allez les voir sur la carte que vous allez retrouver ici. D'ailleurs, vous avez un onglet dédié maintenant qui s'appelle Agriculture de précision. Cette carte va vous donner les infos donc de pH, le type de sol, l'azote et le rendement une fois qu'on aura une culture. Donc là, je vais continuer d'analyser le sol. Il y a une seule analyse à faire pour toutes les valeurs. D'ailleurs, au passage, vous avez une rubrique d'aide qui arrive. Quand vous installez le mode, il va vous demander « Voulez-vous installer la rubrique d'aide ?» Je vous conseille de la mettre. Comme ça, vous retrouverez un petit récap ici du dernier onglet si un jour vous êtes perdu dans l'usage de ce mode. Alors, je vais faire une première analyse ici. Donc, je suis avec mon petit outil. On peut faire trois analyses avant d'envoyer au labo. C'est très, très rapide, hein, vous allez voir. Il suffit juste de déployer. Donc là, il était déjà déployé. Je vais le laisser déployer. Et d'appuyer sur la touche B donc pour faire un carottage. Donc là, hop, il en fait un premier, la terre arrive dans une petite coupelle là en bas, on a droit, je vous dis, à trois coupelles. Donc, vous avez vu que la carte a changé, j'ai un petit rond marron qui dit que cette petite portion-là a été analysée. Il faut maintenant envoyer l'échantillon au laboratoire pour avoir les valeurs. On va se décaler un petit peu, hop, voilà, regarde un petit peu au niveau de la carte. Donc là, j'ai un autre cercle, je vais faire un autre carottage. Et je vais continuer comme ça. Alors ça peut être très très long, surtout que là je suis sur Ravenport, je suis sur un très grand champ. Ça peut être extrêmement long. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc on va faire la troisième carotte et je vais envoyer tout ça au laboratoire d'analyse. Donc la touche Y pour envoyer au labo. Donc ça me dit les échantillons vont être envoyés au labo. Vous appuyez sur OK, vous attendez 5 secondes. Tac, voilà, c'est analysé, c'est bon. Si je vais dans ma carte maintenant, vous voyez donc que là mon Gator est ici, les trois petits ronds que je viens de faire donc me disent que je suis sur une terre plutôt c'est de la glaise hein, visiblement. Ça va influencer le type de culture. On n'a pas les infos encore sur quelle culture préfère quelle terre. Bon, on les aura, vous les joueurs, vous allez vous passer le mot un petit peu sur qu'est-ce qui est préférable. Je pense pas que ça ait un très très grand impact au niveau des rendements. On verra ça un petit peu plus tard. Par contre, ce qui va être intéressant là, c'est qu'on a les valeurs de pH pour savoir donc si je vais être obligé de chauler ou pas. Donc là, pour le coup, mon champ sur Ravenport, il est plutôt clean. Donc les couleurs sont bien adaptées. Hein. Le vert pour clean, rouge c'est attention danger. Et bleu, on est hors valeur. Et l'azote. Donc là, l'azote, par contre, mon champ, il a vraiment besoin d'être fertilisé. Et fertilisé avec précision. Je ne suis pas obligé de balancer des grosses doses à l'hectare pour aller fertiliser, sauf par endroit ici où il y a un énorme manque. Et enfin, la carte des rendements, encore une fois, j'ai rien de planté et de rien de récolté, donc je n'aurai pas de valeur. Donc une fois que vous avez fait votre cartographie comme ça, vous allez passer dans un outil qui va vous permettre soit d'amender un petit peu avec de la chaux, soit de venir fertiliser. Alors, que ce soit du lisier ou lisier, fumier, ou engrais solide ou liquide, ça ne change absolument rien. Les valeurs vont... vous allez voir, quand on va monter en fait dans un tracteur équipé d'un outil de fertilisation, vous allez avoir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Regardez en bas, sur mon petit menu d'aide, j'ai azote, application de lisier. Donc c'est soit application de lisier, soit fumier, soit engrais solide, soit liquide.
Par défaut, c'est automatique. Vous le voyez dans le petit menu, il y a marqué « Activer les taux d'application automatique ». Donc normalement, par défaut, voilà, on est en automatique. C'est-à-dire que mon conducteur va détecter automatiquement quelle valeur il a besoin d'apporter. Vous pouvez passer en mode manuel. Là, regardez en automatique, il me dit, vous avez le petit trait rouge là en bas dans la fenêtre où c'est marqué qu'actuellement on est à 80 kg d'azote par hectare. Il en manque 60 pour être optimal, donc il va ajouter 60 kg d'azote par hectare avec la tonne alisée. Vous pouvez passer en manuel, en appuyant sur le point virgule, on est en manuel. Et une fois en manuel, c'est vous, avec vos deux petits doigts, qui allez réguler plus ou moins d'azote. Donc avec la touche K et la touche virgule. Et si vous regardez dans le petit menu d'aide, si je mets trop d'azote, je vais être dans le rouge. Si j'en mets pas assez, je suis encore dans le marron. L'idéal, voilà, c'est d'être sur le vert, sur le petit drapeau à damier, qui va vous donner la valeur exacte. Mais au fur et à mesure qu'on avance, là, si vous regardez bien sur ma petite carte en bas à gauche, je vais arriver dans une zone où j'ai besoin de plus d'azote. Donc si vous êtes en manuel, il faut bien penser à réguler avec la touche, hop, la touche plus et moins. Voilà, là il me le met, le petit drapeau à damier, il a bougé. Il était ici tout à l'heure, maintenant j'ai besoin d'en apporter plus. Moi je vous conseille dans un premier temps de ne pas trop vous prendre la tête, de vous mettre en automatique. Si vous utilisez un ouvrier, il est en automatique de toute façon par défaut, il va se débrouiller tout seul. On va parler des ouvriers un petit peu après. Je vous montre vite fait pour la chaux. La chaux, c'est exactement pareil. Je vais aller me remettre dans un petit carré où la terre est analysée. Et là, regardez ma carte, elle change. Elle change en fonction de la régulation du pH que je vais avoir. Donc là, je suis à plus 0,75 de pH pour avoir de l'optimal. Si je reviens sur un petit carré de ma parcelle, hop là, où il y a besoin de plus, voilà, plus 0,75. Donc il va mettre plus de chaux. Donc là c'est pareil, je suis en automatique. Si j'appuie sur le point virgule, je passe en manuel. Et donc là, au fur et à mesure que vous avancez, bah, faut être au taquet en fait sur les touches pour bien penser à ajuster votre valeur de d'épandage de chaux. Encore une fois, si je mets un ouvrier, il va réguler tout seul. Alors on va en parler un petit peu des ouvriers. Les ouvriers, ils sont bien pratiques puisqu'ils vont vous permettre donc de traiter votre parcelle de manière impeccable. Ils ont besoin d'un petit coup de pouce, les ouvriers. Ils ont besoin d'antennes RTK pour pouvoir se repérer et repérer surtout les points d'analyse en fait de votre parcelle. Il faut placer des petites balises RTK que vous allez trouver ici dans divers. Vous avez soit la petite station, soit un gros abri où vous allez pouvoir également mettre votre matériel. Moi, j'en ai placé une petite station. Hop là, j'en ai placé une ici. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait, cette station ? Elle fait en sorte que votre ouvrier puisse travailler plus vite. Vous gagnez jusqu'à, je crois, 10 ou 15% de vitesse supplémentaire. Quand vous mettez une station RTK. Alors je crois que c'est pas documenté au niveau de l'aide sur où les placer exactement. On a un truc ici, station RTK. Ils disent qu'il faut les placer sur la carte. Voilà, la précision de l'ouvrier augmente et il travaille jusqu'à 11% plus vite qu'avant. Mais combien d'antennes RTK on doit mettre? C'est pas marqué. Alors est-ce qu'une seule suffit sur la map? Peut-être, j'avoue que j'ai pas encore essayé. Dans tous les cas, il vous suffit juste de balancer un ouvrier, une antenne RTK. C'est juste, je pense, histoire de dire que, voilà, agriculture de précision, système RTK, dans la vraie vie, voilà, ça va de pair. Bon, ils ont voulu l'intégrer, après, c'est bien de l'avoir mis comme ça au niveau des ouvriers. Pour vous, personnellement, ça va absolument rien changer, si vous travaillez sans ouvrier. Alors, il y a des interrogations, on ne sait pas si le course play va gérer ce genre de choses, j'ai pas encore essayé. Il y a aussi des interrogations sur le mode saison, a priori le mode saison n'intervient absolument pas dessus. Et il y avait une autre interrogation, c'était sur les maps. Donc les maps, est-ce qu'elles vont être toutes compatibles? Oui, normalement, il y a normalement un PDF qui va être mis à disposition des modeurs pour que les modeurs puissent ajuster eux-mêmes leurs cartes et les données. Sinon, par défaut, il y a une carte qui doit être sûrement pré-générée, en fait, et compatible avec toutes les maps. Alors, quand je dis une carte, c'est une carte
de type de sol. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Voilà, 10 minutes, c'est parfait pour vous expliquer un petit peu. Je pense avoir rien oublié. Je vous dis, c'est vraiment très très simple. Une fois que vous aurez, semé, je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Hein, mais une fois que vous avez semé là-dedans, vous allez avoir des critères en fait économiques qui vont apparaître, qui vont vous dire. Donc là, je les ai pas, mais voilà, vous allez avoir la carte des rendements. En fonction de ces rendements, on va peut-être falloir changer les cultures, peut-être mettre, s'il y avait un blé, ça colle pas, on va peut-être mettre plutôt un maïs. Ben voilà, c'est à vous d'après de jongler entre les cultures jusqu'à avoir des rendements dans l'idéal optimal, c'est-à-dire jusqu'à 125% de rendement. Voilà, l'idée, c'est quand même d'avoir un côté économique derrière, c'est-à-dire que si vous travaillez bien, vous allez avoir plus d'argent à la récolte. Voilà, je vais vous laisser jouer avec ça, franchement, c'est top d'avoir un mode comme ça, je pense qu'on ne va plus pouvoir s'en passer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, et puis partager s'il le faut. Je vous dis à très bientôt sur simulagri.fr, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, salut les amis.